Bonjour à tous, ici Spridex et bienvenue dans ce quatrième épisode de Let's Play sur Borderlands 2. On avance et là on est à un boss, le Capitaine Flint. On est parti. Montre-toi, Flint! Ton unité Claptrap est revenue! C'est nos petits bonhommes à torture, les gars! Ça va chauffer! Capitaine Flint. Gris, petit gris. Spectre! Je suis désolé, Capitaine Flint! Là-bas, il m'embête. Ah bah c'est Capitaine Flint. D'accord, c'est un cul-de-sac. C'est Claptrap. Voilà. J'aurais pu lancer mon robot aussi. Alors ici on va continuer. Bon, une fois voir ici ce qu'on avait. Chance d'électrocution, d'embrasement, de corrosion et de slag. Ah mince. C'est quoi ça? Vous offre une résistance aux dégâts électriques. Bon bah tant pis. Si vous tuez un ennemi ou que vous videz le chargeur de votre arme pendant un combat, vous bénéficiez d'un cumul d'anarchie. Il y a un bonus de dégâts à vos armes, mais votre précision est réduite. Ouais, bof. Augmente votre vie. Ouf, ouais, non. Non, le ami pour la vie, c'est sympa, je pense. Tant pis pour le point que j'ai mis autre part, mais.
Ok. Non. Allez, ah. On n'a plus qu'à rejoindre mon vaisseau. Alors, celui-là il est sympa. Il fait un peu plus de dégâts. Il y a aussi l'effet explosif. Juste au cas où, parce que Claptrap me demande d'aller vers le bas, je voulais voir si en haut il n'y avait pas un truc secret. Le voilà! Le plus beau des vaisseaux! Descends-le tout de suite, marin d'eau douce! Allez. Allez, mettons les voiles! Chose à faire sinon partir. Nous approchons de Sanctuary, Spire. Par devant, va dire aux habitants ce que je veux pour fêter mon retour. Je reste ici pour qu'ils aient le temps de tout préparer. Premièrement, des gonzesses. Deuxièmement, des mecs. Mais des mecs super moches, obèses et tout, qui puent sous les aisselles avec des cicatrices acné. Les gonzesses les voient arriver. Restez dans votre trou, c'est la part de sans pitié. Je te vois. C'est génial. Vous voulez pas retourner dans votre camp, les gars? Ah, bonne idée. On fait demi-tour et on rentre dans notre... Pandore est un endroit violent et sans pitié. Sanctuary, c'est... à peine moins pire. Il te faut une voiture pour parvenir aux portes de la ville. Va à l'autoloc. Ok, on va vite mettre nos niveaux de brutasse. Bah non, j'en ai pas eu. Ouais, il me semblait. Ok. Garogo. Hop. Je sais pas si c'était mieux. Ouais, 29. Non, j'ai pris le 31. Voilà. Yeah.
Ok, on est à l'autolock. Cette machine peut te matérialiser un véhicule. Essaye pour voir. Bonne qualité, prix très bas. Alors, on va. Passe le mot. Munition. Oula, utilisateur non autorisé dans la place. Tu cherches à pirater mon autolock? Y'a pas moyen, cousin. Merde. Pardon. Mince. C'est un certain scooter qui contrôle les bornes autolock. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicule. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Y a un robot d'Hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autolock, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Ok. Je suis... bien, je prends quelques munitions et on est reparti. Ah, ça c'est bien. Un petit snipe, pardon. Non, et le SMG, non. Que je trouve ce là-bas. Branche l'adaptateur sur l'autolock et je t'offre une voiture gratuite. Parfait. Changement de phase en cours. Je vais pirater l'autolock. Autorisation de l'utilisateur confirmée. Bonne route. Il y a un taco au piment dans le vide-poche. Un piment taco. Bravo. Demande une autre voiture. Eh bien, on y va. Montez. Merci. Voilà. D'avoir choisi l'autolock de scooter. T'as vu? T'as du cul? Très élégant.
Désormais, tu pourras numérialiser une voiture dans n'importe quel autolock. Et maintenant, saute par-dessus ce fossé. Voilà. Maintenant, retrouvez Roland à Sanctuary. Il sera ravi de rencontrer la personne qui a tenu tête et survécu au beau Jack. Vous avez trouvé une barre d'iridium, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Il y a de l'argent, bien entendu. Alors ici. Sanctuary, c'est là-bas. Ah oui, c'est ces machines qui font du bruit. Bah tiens, j'aurais peut-être pas dû sauter.
Ok. Écoutez-moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Oh, minute, un chasseur de l'arche. Roland veut vous parler. Attendez, je lui passe un écho. Alors c'est toi dont tout le monde parle sur les ondes. Moi, c'est Roland. Avant, j'étais un chasseur de l'arche, comme toi. Et puis j'ai formé les pillards écarlates. On se verra à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. On m'a dit que le caporal Reyes n'était pas revenu avec le cœur énergétique. On en a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ramène Reyes à Sanctuary, et tu auras gagné ta place chez les pillards. Bah, elle est un peu morte, non? Roland t'a contacté? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous aider à faire tomber Jack. Mais je me trompe de personne, mais... Ici le beau Jack. Alors, je l'ai où? Je vous rappelle qu'il est inutile de vous faire de la bile pour ces petits séismes intempestifs. À chaque secousse, mes foreuses se rapprochent de l'arche, de la liberté, de l'ordre, de la sécurité pour tous. Sauf pour les pignoufs de Sanctuary, bien sûr. Hop, on envoie les gars des garogos. Non. Fermé. En tout cas, c'est pas par là. Pas mal de dégâts. Ouais, je suis obligé d'y aller à pied. Que dalle. Ah!
Ouais, il est mort aussi, donc je peux même pas dire de... bon, bah, hop. Notre première mort. Ok. Mitrailleuse Lightrunner, c'est bien. On a plein de couleurs possibles. Allez, hop, ardoise, redéployer. Là, j'aurais dû monter dans celui qui était derrière. C'est pas grave. On n'était pas très loin. Pas très loin. Tiens. Ah oui, c'est quand tu tires dessus, ça fait de l'électricité. C'est vrai. Très bien. Bien, et puis l'énergétique est là. Parfait. Hop, je vais vite prendre mon point. Non, là. J'allais te déposer.
C'est le cœur énergétique. Génial. Au moins, Jack ne détruira pas Sanctuary aujourd'hui. Reviens à la ville. On se retrouvera quand je serai là-bas. Bienvenue chez les pillards et cartes. Je me fais attaquer. On se retrouve. D'accord. Bon, on va quand même terminer de tuer les sans-pitié, hein. Très bien. Ah, je lui fais un petit déflamme quand même. Bon, c'est pas très grave, mais... Ok. Bon. Là, on va essayer de retourner jusqu'au camp. Jusqu'à Sanctuary. Je reste ici. Il est sympa le bouclier. Je sais pas où est le dernier. C'est pas grave. Là on se barre. Message pour Sanctuary, le bastion ultime de la résistance. Pandore, tel que vous la connaissez, le chaos, les pirates, etc. C'est terminé.
Faites-vous une raison. Nous allons entrer dans une ère régie par l'ordre et la paix. Rendez-vous, et je vous promets une mort rapide. Ok. Roland, non, c'est toi. Oh, c'est le chasseur de l'arche. Montez, Fissa. Le système écho de Roland ne répond plus. On a besoin de votre aide. Eh bien, vous savez quoi? On va faire ça dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye!